GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV. Our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. Check, check, check. C'est Noah Lounsi, Noisy Gang. Retrouvez-moi sur GLTV. On est ensemble comme jamais. Noah Lounsi, Noisy Gang. Oh, ok. GL les amis, c'est Poison Mobutu sur GLTV1.com. Bolandango, c'est du lourd, c'est du lourd. Where else? Bonsoir à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com. Touba Bobudelo, Ika de Young. Ce soir, on est au Maybach Lounge, The Place to Be, et on reçoit un artiste qui excelle dans ce qu'il fait. Il monte. On est à Paris parce qu'il habite ici. C'est ici qu'il tourne, c'est ici qu'il fait les choses aussi convenablement. Donc, restez connectés, vous allez suivre parce qu'on va vous montrer ce qui ne se trouve pas ailleurs, se trouve sur GLTV. Comme vous voyez, GLTV est habillé par Like Dangerous pour cet événement. On se trouve en plein Paris. On a été accompagné par Patrick Ponda, Pablo Escobar, Panzu, sans oublier Didi Makumbi. Ça se passe ici. On se dit, les choses aussi se font aussi correctement parce qu'il excelle dans ce qu'il fait. C'est un artiste qui évolue, qui est en train de percer comme pas d'autre. Donc, on va l'accueillir ici. Dans son quotidien, il va un peu nous parler, il va nous parler de son album, de ce qu'il a réalisé et de ce qu'il est en train de réaliser, parce que grâce à vous, on va vous passer ce message. Bonsoir l'artiste, il s'appelle Poison Mobutu. Bonsoir Poison. Bonsoir Eka, ça va ? Tranquille, en tout cas on est super heureux d'être ici, on est super heureux de nous avoir accueillis dans un cadre assez chaleureux où tu te trouves. On sait que Paris Saint-Germain joue ce soir, donc s'il y a le match où il y a du bruit qui se passe, on sait, on est on the place to be. Le nom, Poison Mobutu, c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi ce nom-là ? Pourquoi ce nom, Poison Mobutu ? Parce que, moi voilà, j'ai grandi en banlieue parisienne, tout ça. Et à l'époque, je traînais avec des amis, des gangs. Tiens, un groupe d'amis, les BDJ, tout ça. Et il fallait à chaque fois, en fait, chacun, il devait avoir un nom, un surnom. Donc voilà, moi j'avais pris ce surnom-là, Poison. Et Mobutu, parce que c'est une très longue histoire, tu vois, de famille, etc. Et vu qu'en 2009, j'avais sorti mon premier album, Vu d'ici, où la pochette, je suis habillé en Mobutu. Et c'est de là que tout est parti. Et voilà, mon cousin Mitterrand Champagne, qui m'a... Nous saluons aussi en passant. Qui m'a donné ce nom-là. Et il y a Fali Poupa aussi, qui m'appelle toujours comme ça, Mobutu, Mobutu. Donc voilà, c'est resté comme ça, Poison, Mobutu. Mais à la base, c'est Poison. On a rajouté Mobutu pour... tout le concept, Mboka, etc., famille, etc., tu vois, la dictature, un peu l'homme dur, tu vois, donc voilà quoi. En tout cas, à encourager. Poison Mobutu, on sait que pour le moment, tu as sorti vraiment l'excellence de l'excellence. On va rentrer un peu dans ces détails-là. Cette passion pour la musique, elle est venue d'où ? Bah, depuis tout petit, hein, depuis même Kinshasa, quand j'étais petit, c'est-à-dire quand j'allais dans les fêtes avec mes parents, tout ça, que je salue aussi. Et je dansais tout le temps, j'aimais tout le temps la musique, même quand j'étais à l'école, à la poupette, à l'époque, à Kinshasa, à Gombe. Et pendant que les autres étudiaient en cours, moi j'étais là, je rappais les criss-cross à l'époque, Naughty by Nature, tout ça. Donc vraiment j'ai grandi dedans et j'ai toujours aimé. Ben voilà, Dieu a fait grâce que arrivé en France et tout, j'ai baigné dedans. Voilà, j'étais dans un groupe à l'époque, Banakin avec Youssoufa, on a commencé ensemble. Et Philo, mon ami Cozy, Mike Jenny, Sinistre. Donc voilà, et après par la suite j'ai fait mon chemin quoi. Quand on parle de ton chemin, parce qu'on sait que ce chemin-là que tu es en train de tracer tout seul, c'est un chemin qui excelle. On sait que tu as fait quand même assez de featuring, on peut voir autour de toi, et que maintenant tu traces ta propre route. Il y a un dernier opus que tu viens de lancer où on t'a vu en tenue vraiment le vrai Mobutu, l'excellence. Déjà le clip, le roi du Zaïre, c'est un clip. Je peux dire financièrement, t'as sorti le paquet. What else? Roi du Zaïre. On a ramené les coffres, on a ramené la sable, on a ramené l'ingala. Roi du Zaïre. On a ramené la danse, on a ramené l'ambiance, on a ramené les poupas. Roi du Zaïre. On a ramené les grandas en coro, les nerfs en poids. Roi du Zaïre.
ils n'ont pas compris que je les baisse depuis. Le dictateur is back, la récréation est finie. Chant ma hug dans mon bunker, ton rappeur préféré est un pompeur. J'ai trop traîné en bas, personne ne m'a renvoyé l'ascenseur. Rafa tu sais pédé, Bambata est bêlé. Afrika, Bambata m'a aidé, j'ai encore la dalle négueuse, je vais pas céder. Je n'attends pas que P2O me valide pour m'acheter du Versace. Appelle-moi roi du Zaïre, je n'arrête pas de te le dire. Traîne avec des fouteux, t'as dû me voir dans une soirée ou deux. Regarde-moi bien rageux, je t'envoie une bouteille et se met hors jeu. Bolingi Nini, attends, bon, Yini, un drive fire mini, un crime mort, Jimmy. On a ramené les corps, on a ramené la sabre, on a ramené l'ingala. On a ramené la danse, on a ramené l'ambiance, on a ramené les poupas. Ouais ben Dieu merci, je suis toujours bien entouré, tu vois, mon producteur aujourd'hui c'est Michael Siani, c'est mon ami, on a grandi ensemble, ben, le lieu où on est ça lui appartient, tu vois, le Maybach Lounge, ça nous appartient, c'est vraiment la famille et voilà, on essaie de faire bien les choses. Moi en tout cas, j'ai grandi un peu j'irai pas aisément mais ça va, je un petit peu je manquais de rien, donc j'aime bien les belles choses, j'aime bien les bijoux, j'aime bien tout ce qui brille, c'est mon concept. Après c'est pas peut-être pas la batoumseuse à la défaut ou quoi, mais moi j'aime bien tout ce que je fais être propre, original. Donc quand je tourne un clip, c'est je prends mon temps, j'aime pas tourner un clip de merde ou faire comme les autres, mes collègues et tout, citer chien, moto, tout ça, ça peut arriver, tu vois, c'est dans les concepts. Mais moi je suis poison mon bouton, donc dictateur, donc Mandela Maka, c'est toujours mes clips, mes concepts, mon rap est toujours assez dans un délire particulier, quoi. En tout cas, un délire particulier, on peut le dire, parce que tes vêtements, on doit parler aussi de tes vêtements, on voit quand même qu'il y a une touche d'excellence dans ce que tu mets. Tu mets pas du n'importe quoi. Par exemple, Mobutu aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'identifie aussi à la mode. Donc cette mode africaine, tu remets aussi le pagne en valeur. C'est quand même une fierté pour la communauté africaine, congolaise surtout. Ce touch-là, il est venu d'où ? Tout naturellement, parce que je suis fier de mes origines, tu vois. Je suis Nalingambokan, hein, Makasi. Donc, même dans le rap français, que ce soit mes collègues, tout ça, les maîtres Gims, tout le monde un peu, dès qu'ils me voient, ils disent « Ah non, Poison, toi, t'as toujours ton truc. » Après, je c'est pas forcé, je le fais, c'est naturellement, tu vois. Donc, j'aime bien faire ça. Et tu remarqueras aussi, les artistes de chez nous, quand j'ai dit les artistes de chez nous, par exemple, le grand Kofi, Fally, le grand Werason, tout ça, c'est des grands frères, c'est en même temps, c'est des amis, c'est en même temps des gens qui me donnent énormément de conseils. Babouak a rappé, tu vois, je suis l'un des rappeurs congolais. Voilà. Tu passes partout. Exactement, je suis partout. Tu me verras dans le milieu du foot, dans le milieu des affaires, dans la musique, dans, on est un peu partout, tu vois. Donc c'est ça, Poison. Oui, Poison, mon Mobutu. On peut dire qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui a marqué tes empreintes ici en Europe, dans le monde du rap, surtout ici en France. Tu es si je peux me permettre de le dire, t'es une légende aussi, parce que t'es un exemple pour beaucoup de jeunes dans ce monde-là du rap qui se disent « on veut devenir demain Poison Mobutu ». Quand tu vois qu'il y a toute, je peux dire, cette ambiance autour de ton nom, de ta personne, ça se passe comment dans ta tête ? Ça fait plaisir, faut... Excuse-moi, je suis un peu malade. Faut toujours garder les pieds sur terre. C'est Nzambe Mutape Sara, Nzambe Mutamatisaka, Yepe Mutakidisaka. Donc garde les pieds sur terre. Les gens qui me connaissent vraiment... Je suis un gros bébé, ils savent que je suis quelqu'un de très gentil, de quelqu'un de sociable, tu vois. Mais après, soye bingate na musika, tu vas croire que, ah, Dieu, à sa première, ouais, n'ingala taka, tout ça, bah, délire, n'aille, bah, voiture, bah, concept, tout ça. Il est, mais en vrai, je suis quelqu'un de doux, vraiment de, un grand cœur, quoi. J'aime beaucoup les gens. Ça, c'est vrai. On l'a remarqué aussi, je peux le souligner, sur jltv1.com. Je crois qu'on s'est contacté sur Instagram. Et puis, après Instagram, un coup de téléphone, on arrive sur Paris, on s'est dit, on doit la voir, on doit voir l'artiste qui fait aussi la fierté de cette communauté congolaise. Poison Mobutu, quand on voit ta présence aussi dans les marches, on dit, il y a des marches qui se passent ici où il y a les femmes qui sont violées en République démocratique du Congo. La situation qui se passe en Afrique, on te voit souvent réagir. Tous tes posts sont aussi basés sur ça. Cette touche africaine qui te touche vraiment, surtout concernant ton pays. Qu'est-ce que tu peux dire à tous les gens qui te suivent ce soir? Bah, faut être fidèle, faut aimer son peuple, son pays.
ses origines, tout simplement. Donc, comme on dit, Bendele Koyate, moi je suis le peuple. Tu vois, je suis vraiment le peuple, je représente, je suis ce que le peuple il veut, tu vois, donc je le fais avec tout cœur, avec plaisir surtout, et voilà, Moutumota Forsangao, Kende, ça la marche, Poubamouna, quoi, non, je me réveille le matin, je dis, Lélo, Namounine Internet, je suis souvent sur les réseaux sociaux, Marche Moriza, Ponamboka, j'y vais, tu vois, donc ça me tient à cœur de faire, et en même temps, j'encourage les autres aussi à le faire, parce que voilà, faut pas se cacher, faut pas dire que ouais non Asunake, Soindenin, Soindenin, non, faut aller, tu vois, moi je suis souvent à Kin, c'est mon deuxième pays depuis 2012 grâce à mon ami d'ailleurs Trésor Loaloa qui m'a dit ah mais yo poison de Kenda Kisasate, je suis né à Kin, mais ça fait 22 ans que j'étais jamais reparti. Il faut Kenda Kisasa. De lui-même il m'a acheté le billet, le premier billet pour aller à Kin. Il m'a dit Kenda Kin. Big up à Trésor Loaloa. Qu'on salue aussi en passant. Et ben voilà, je suis parti à Kin, j'ai découvert, je me suis dit putain, j'ai redécouvert mon pays en fait. Ça a changé tout ça. Je me suis dit non mais on a un vrai pays, il y a quelque chose à faire. Et ben après cela, je suis allé tous les 3-4 mois à Kinshasa quoi. Donc super, donc tu as touché un peu, on peut dire ton background de là où tu viens. Me ressourcer et la moussenga. D'accord. La moussi poison Mobutu. Poison Mobutu, on sait que la musique pour le moment, toi tu touches quand même un autre milieu, c'est un autre secteur qui est le rap français. Il y a beaucoup ici, je peux dire maintenant en France, au Congo aussi, aux États-Unis, un peu partout. Il y a certains de ces conflits que je dis, quand vous les voyez venir en tant qu'artiste, en tant que, je peux dire en tant que modèle, vous êtes des exemples pour cette jeunesse qui vous voit. Est-ce que vous pouvez pas, je peux dire, limiter ces conflits? Les conflits entre artistes ou entre... Ouais, bah, faut toujours éviter les clashs, etc. C'est, ça sert à rien. Moi, les gens qui me connaissent vraiment, je suis pas trop dans ce concept-là. Après, oui, il y a quelques trucs. Quand je vois que, y a des gens, par exemple, qui essaient de critiquer un ami qui a fait quelque chose, je réagis. Je suis quelqu'un, je suis impulsif, en fait. Donc, je réagis par rapport à ça, j'écris des trucs, mais je suis pas trop pour les clashs, quoi. Pour moi, ça sert à rien. Tabisonios, Banamboka. Concept, soyons unis, tout ça, donc voilà. Maintenant, on te voit venir, tu vas nous lancer bientôt. On est arrivé juste à pic, mais je sais que d'ici quelques jours, c'était J moins combien? J moins 5 dans 5 jours, ouais. Donc, je pense que l'émission passera, sortira peut-être J moins 2 ou J moins 3. Netina Film. Voilà, Netina Film. Après Le Roi du Zaïre, tu nous amènes Netina Film. Pourquoi? Après Le Roi du Zaïre, j'avais sorti Étrange en service avec des amis, tout ça. Mais là, sors pas avec un Congolais ou Zaïrois. Tu risques d'être colonisé comme Kerry Wilson. Demande à Serge Ibaka. Mes oreilles sifflent de gauche à droite, j'entends cousine Yama Simbiki si. Celle-ci c'est pas un combat Yama, non c'est un coup de Mbelli. On fout le feu, pas besoin d'essence, j'prends le micro dans mon TPL. Y'a rien, y'a que l'homme qui a peur, beaucoup les bonnes n'est vu que Botelli. Ta peau n'est pas du tout customisée, non elle est chocorisée. T'as pas kické sur Strat, MC, bah ouais t'es pas autorisé. Perso j'ai pas entendu d'avoir du buzz négro pour serrer des ailes. La journée j'bosse pour nourrir la nuit, le soir, j'dors sauter ma pelle. Chegué, chegué, chancé, le copain, basson, la jam, brique et feuille, fais-moi 22. 2015, égale, tu me 243, ma tongue, tu m'yama, ma sa fin de. Flotte, haute, couture, Gucci, LV, Jean Franco Ferré. Étranger en mission, deux, on fait flipper vos rappeurs préférés. J'rappe si j'suis possédé, on t'envoie des gros que c'était. Ceci est un coup de CP, soir, ce j'baisse, Marie-Jeanne Polonais. J'fais plus la diff entre l'homme et la femme car mes tantes sont barbues. Bosse pour la mif, vente de la cam, ma banane on se reverra au parlu. Le dièse obèse comme Pepe Calé. Où est passé le coupé décalé? J'ai toujours la tête d'un Sénégalais. L'inspiration vient de loin où tu es balé. Ma daronne de plus, de bif, ton dealer, elle picrave du carreau live. Comboté, salam, salope, c'est 1000 euros la dédicace. J'ai pas attendu, la vie est belle pour vivre comme un poindou. Les êtres c'est rare qui restent fidèles. Dehors y'a tout n'bando. J'vais tous être guiné sur du Yamado. Mata mon colloque y'a de Yamado. Qu'est-ce que je sais? Tout ce que je sais, je râle pour prendre mon petit. Je suis allez tirer la police, je passe pour nourrir la mousse. Bosse, bosse,
pour nourrir la mise. Tout ce que je sais, je râle pour prendre mon pied. Si je sais, je suis hâle. Allez, tirer à la police, je bosse pour nourrir la mise. Masta, 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 que des billets tout verts. Je suis venu manger, imbécile. Pose l'assiette et les couverts. Encore une fois, j'ai répondu à l'annonce de monsieur Mobutu. C'est con. Si t'es pas. Mais là, parce que voilà, c'est un gros clip qui va arriver. Un son après un peu costaud, hard. Et dans le concept du clip, il y a d'ailleurs Noah Lunzi, un frère aussi qui fait un peu les vines, à Sexarba, tout ça, qui est dedans. Boromon, Akara, ils vont voir et ils vont savoir. Ils vont voir, ils vont savoir avec Poison Mobutu. On va voir maintenant ce qui va arriver maintenant. Parle-nous-en un peu. Il y a un CD qui est en vue. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, tu as sorti Le Roi du Zaïre, tu as sorti l'autre avec toute une équipe. Et maintenant, tu vas nous sortir aussi Netina Film. Qu'est-ce qui vient après? Bah, à la base, en fait, à un moment, je faisais rien. À un moment, je faisais rien. Je faisais plutôt un petit projet communautaire avec mon ami Deboul KMS. Où on a sorti c'est un projet en fait, c'était que des remix, chantant en lingala, je rappe en lingala. On a fait le premier feat avec Mégé 30 qui est sorti. On a repris la chanson de Fali Poupa, Mami Wata. Après on a fait Poto Makambo aussi, c'était en lingala, c'était plus pour le délire. Après mon entourage, mes gens, la force de traîner avec des potes aussi, cosy, tout ça. Mon genre, mais Poise, on voit un petit truc rap quand même, ça fait longtemps, on t'entend plus. J'ai dit ok, je vais me faire plaisir. Donc j'ai sorti Roi du Zaïre. Et là, j'ai sorti Étrange au service. Là, je suis sur le troisième. À la base, c'était juste pour se faire plaisir. Mais là, je commence à voir derrière, ça me dit, non, prépare un projet, sors un truc, les contrats commencent à revenir. Donc, je pense que je vais sortir un truc, mais je sais pas encore la date exacte. Pour l'instant, je me fais plaisir à vous donner des clips. Côté là-bas, clip. Ben, les deux clips, d'ailleurs, qui étaient rentrés sur Trace TV, ça se porte bien, dans le top, etc. Donc, voilà, au calme. Top de chez Top. Donc Poison Mobutu, il est là, suivez-le, c'est un talent qui excelle aussi dans ce qu'il fait. Poison Mobutu, en parlant de ces titres-là, tu peux faire plaisir à tous les gens qui te suivent sur GLTV. Tu leur balances juste quelque chose. Tu choisis, je te laisse choisir. Moi j'ai mon point faible, mais je te laisse choisir. Je vais dire juste Roi du Zaïre. Roi du Zaïre. On a ramené l'ambiance, on a ramené la sape, on a ramené Ipupa. Juste un petit truc comme ça. Voilà, on salue aussi Fali Poupa, qui est aussi quelqu'un qui est souvent à tes côtés, qui te soutient aussi. Et c'est un bon gars. Quand je reviens encore, la première fois quand je suis parti à Kinshasa, c'est le premier qui m'a appelé, qui m'a dit ouais, vas-y, viens, passe à la maison, tout ça. C'est un frère, c'est un ami, je le soutiens, il me soutient aussi. Donc, Pono Keneka Libusso, ça fait plaisir. Voilà, donc. C'est Lélé. Ce jour-ci, c'est Miss Lélé qui est au rendez-vous. Poison Mobutu, on va quand même parler un peu en lingala. Pour les gens qui te suivent, Bibala Mboka, cela, on l'a fait aussi pour la communauté africaine et les Européens qui suivent aussi Poison Mobutu. On doit quand même parler en français pour le permettre aussi de voir nos artistes évoluer. On va un peu rentrer en lingala. Banakin, Balobi, Poison Mobutu, Mikolo, Defrate, Otouti, na Roi du Zaïre, Ozong, Sibis, on a groupe Mobimboso, mais Mabiso, si qu'on a Netina Film. Poison Mobutu, comment bang ça, Biso? Non, bang, ça te fera plaisir. On va se nourrir, il est comme dans le salle en eau propre. Donc, bateau, on sentir qu'un bateau, que Poison, quand il fait quelque chose, il bouge un peu monde, tu vois. Non, mais ma concept, après, moi, ça me fait plaisir aujourd'hui quand je vois même, la fouine, ils font des titres. Moi, en lingala, ils en a quatre, tout ça. Parce que, source, côté ni ma solo, banda, Donc, voilà, c'est juste pour le coup, mwamboka, que. Artiste Nabango, Asalaka, Ndomboloté, Masala, Rap, Aza, tout ça est belé, Maître Gims, Youssoufa, Kozi, Escobar, Maxon, tout ça est belé, donc, tout ça bundara pour Namboka. Mais nga pena, na zo beta, c'était pena, on a concept, nga, de ressentir en haut. Parce qu'en plus, à l'époque, moi, quand c'était en 2009, après, en 2010, ça a explosé, c'était passé à la télé, oui, Poison était produit par le fils du président, Pierre Sarkozy. Donc voilà, on a fait. J'ai mon bon petit parcours et j'étais aussi le premier congolais, je pense, artiste dans le rap, avoir foulé le tapis rouge de Cannes en 2009
Après, je sais pas, peut-être s'il y en avait avant, mais en tout cas en 2009, ben, Vitamin un Energy Award. Donc voilà, on avance. Je crois que tu es le seul, hein, on peut le dire. Ouais, je pense. Je pense aussi. Aujourd'hui, il y en a beaucoup maintenant qui. Mais je pense à l'époque. En plus, Nala t'a ramené Timobutu. Donc imagine quand j'ai pris le tapis rouge, les gens ils devenaient fous. Photo sur photo, c'est incroyable, quoi, ouais. On va refouiller ces photos tout baboudel, on va lui laisser faire son boulot, on va chercher cette photo aussi pour balancer à toute cette communauté qui est fière de toi. Si on est venu vers toi, c'est pour te dire aussi que Poison Mobutu, ce soir on peut te le dire haut et fort, tu es parmi les gens qu'on peut citer sur une liste qui font la fierté de la République démocratique du Congo, tu le fais avec beaucoup de dignité. Dans ce que tu fais, est-ce que Orozung c'est la bise, on a moins bandé, on a moins Nguasuma, t'as moins rap, t'as moins Nguasuma, la côté morobo. Obligé, yozala. Je reviens dans ce que t'as dit. Bah dernièrement, l'année dernière, je pense, na Londres, bah Salaki et Laurent Moreau remis. Ouais, voilà. Et bah voilà, j'étais dans mon concept, j'étais le numéro un. Donc bah Pesanga, Priwana et ça. Claudia Bakissa, même elle a trophée nanga, c'est à Londres, donc il faut même elle a trophée nanga. Et puis ça fait plaisir quand tu vois que tu fais quelque chose. Ta communauté Pesolanda, donc ça fait vraiment plaisir. Et là, au Tikaté, dans Okindeka, dans le concept d'Anga. Kitoko Makasi, comme on le dit aussi chez nous, Tokos, si on peut le dire aussi. On arrive, on tend vers la fin parce qu'on va te laisser. Il y a tes amis qui t'attendent. Il y a un match très important qui se passe ici, un match qui concerne l'équipe aussi de Paris Saint-Germain. Matuidi, qui est mon pote aussi, qui est en train de jouer. Big up à lui, quoi. Un big up aussi à toute l'équipe de Paris Saint-Germain. Poison Mobutu, un petit mot de la fin à tous les gens qui te suivent, un mot pour encourager cette jeunesse qui est toujours derrière toi, qui se dit, t'es un exemple pour eux. Qu'est-ce que tu peux leur dire ce soir? Ben, ne jamais rien lâcher. Toujours coquer l'Iboso. Kokangamana concept, na yosoza na likamoro loba, na délire, na okolanda baninga te. Po mouninga, je dis que d'or, les lots, zola la te, angape, non. Salanzambe, moi, ebi, salanzela na yo. Avance. Un jour, ngongano, okoka, et puis voilà, quoi. En tout cas, faut être fort. Voilà, un grand message d'espoir. Bambo Tenao, on te laisse quand même dire des big salam. Na groupe, Mikolo, na groupe Mobo, na WhatsApp, solo là, solo là, yo, bah Joe Mudango, bah Rachina Ibaka, bah Onios, bah Salam, Nabino, bah Matinzobe, Taboufatou. Tout ça, c'est les gens de toi, na groupe Moro, bah c'est les Oscram, bah Héritier Watanabe. Donc, tous les solo là, solo là, yo, c'est le number one en ce moment. Et big up à mes amis, Chris Mavinga, Trésor Loa, Jires Kembo, Yann Envila, Michael Siani qui est mon ami, producteur, associé, etc. Donc à toute la famille, tous les gens qui me soutiennent, bah Mastanara Peakin, bah Serge Mouteb, bah Joe Kiyumbu, bah c'est Bélé. Thierry, il y en a plein. Ouais. Ils se reconnaîtront aussi parce que la liste est longue. Poisson Mobutu, c'est quelqu'un qui est vraiment soutenu et aimé par sa communauté aussi et la communauté étrangère. On doit le dire haut et fort. Continue comme ça. Merci. Continue à nous faire rêver. Continue à nous amener. Malobi nzela ona nzamba fungelelo et belé comme musika. Pourtant tu vois on a un drapeau ana. To fungela ona esengo makasi. Donc c'était Poison Mobutu ici à Paris. Il est là, il a accepté de passer sur gltv1.com. Comme on le dit toujours, tout ce qui ne se trouve pas ailleurs se trouve ici. On n'a pas des piles mais on fonctionne toujours.